Nous avions besoin d'aller vers la base. Nous avons l'habitude de dire que la base, c'est les jeunes. Les jeunes qui sont dans les établissements maternels, primaires, secondaires, universitaires. Mais la base, c'est les 77 communes de notre pays. Donc nous sommes tenus d'aller dans le cadre de la mission qui nous a été confiée au commissariat, d'aller vers nos compatriotes qui se trouvent dans ces localités. Et comme vous le savez, nous ne pourrions pas agir, faire avec ces compatriotes, nos compatriotes, sans passer par les élus locaux, les conseillers municipaux, les conseillers communaux, d'où notre présence dans ces locaux aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons dire à nos compatriotes qui sont dans le Bénin profond, qui sont dans ces 77 communes, que nous devons, à travers la mission qui nous a été confiée, mission qui consiste à lutter contre la corruption par la prévention, de choisir, que nous devons choisir la voie du respect de la loi, la voie du respect de la chose publique, de l'autorité. Et tout cela passe par l'éducation. Il faudrait que nous leur impliquions, les sensibilisions, la probité, l'éthique, la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, quand elle est réellement effective, elle contribue, je dirais, elle conduit même, je dirais, à ce que nous appelons le développement. Donc il faudrait que nous leur expliquions que si nous devons réaliser telle infrastructure, qu'ils puissent avoir dans les villages, dans les quartiers, dans les communes, ce qu'il faut pour leur bien-être. Il faudrait que nous soyons tous exemplaires, modèles. Je disais tout à l'heure, l'éthique doit être la nôtre. La probité doit être notre chose. Le respect de la loi doit être notre conduite. Le respect de la chose publique. Et surtout, le respect de la chose publique.